En comparaison avec 2021, le déficit budgétaire a diminué l'an dernier. Il s'élevait à 3,9% du PIB, ce qui reste malgré tout un niveau élevé. Ce déficit, c'est surtout au niveau fédéral qu'on le retrouve. Du côté des bonnes nouvelles, l'année 2022 a été marquée par la fin de nombreuses mesures Covid, mais aussi par la reprise de l'activité économique. Mais, dans le même temps, le gouvernement a pris des mesures temporaires à la suite de la crise de l'énergie et de l'invasion russe en Ukraine. Elles ont lourdement pesé sur le sol budgétaire. Des mesures surtout fédérales et axées sur la baisse des prix de l'énergie, mais qui n'ont pas été ciblées vers les plus vulnérables. Dans l'ensemble, la politique budgétaire est restée accommodante en 2022. L'année a également été marquée par une nette augmentation des taux d'intérêt, mais l'impact sur les charges d'intérêt est resté limité. Le taux d'intérêt implicite sur la dette publique, c'est-à-dire le taux moyen payé sur l'ensemble de l'encours de la dette, a encore légèrement baissé, mais dans une moindre mesure par rapport aux années précédentes. Globalement, les finances publiques n'ont pas souffert de la hausse de l'inflation en 2022. Le solde budgétaire a même plutôt bénéficié temporairement de l'indexation à retardement de plusieurs postes de dépenses, ainsi que des barèmes d'imposition applicables à certaines recettes. Ces facteurs, et d'autres, devraient toutefois jouer dans l'autre sens les années suivantes. Malgré un déficit élevé, le taux d'endettement de la Belgique s'est de nouveau réduit l'an dernier. Cette diminution s'explique par la forte croissance nominale de l'économie belge en 2022, elle-même alimentée par la nette hausse des prix intérieurs. Malgré cette évolution favorable, en 2022, on s'attend à une nouvelle détérioration dans les prochaines années. Tant à moyen qu'à long terme, les finances publiques risquent d'être difficilement soutenables. Dès 2023, le taux d'endettement devrait repartir à la hausse, car les déficits publics restent élevés. Il faut aussi noter que la Belgique figure déjà parmi les pays les moins performants de la zone euro pour le taux d'endettement et le déficit. Si les prévisions s'accordent sur la hausse du déficit à l'avenir, c'est pour une raison, la hausse structurelle des dépenses primaires. Parmi ces dépenses, on s'attend particulièrement à ce que les coûts liés aux prestations sociales et surtout au vieillissement de la population augmentent nettement à l'avenir. La majorité de la dette publique se concentre au niveau fédéral, mais la hausse du taux d'endettement au niveau régional n'est pas non plus sans risque. Tous les niveaux de pouvoir devront fournir des efforts considérables et se fixer des objectifs budgétaires clairs à respecter impérativement. Ce n'est qu'ainsi que des finances publiques soutenables seront possibles dans les prochaines années.